Je suis venu ce soir parler à quelqu'un qui est sur le point d'expérimenter quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Je suis venu ce soir parler à quelqu'un qui a besoin de recevoir un don du ciel. Je suis venu ce soir parler à quelqu'un qui devant ces circonstances se sentait désarmé, mais à qui Dieu veut faire grâce ce soir pour lui donner quelque chose qui lui fasse du bien. Je voudrais lire avec toi, bien-aimé, le texte qui va nous servir de méditation. Acte chapitre 19, je lirai du verset 1 au verset 7. Voici ce que dit la parole de Dieu. Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples. Et il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et lui, quel baptême avez-vous donc reçu? Which baptism have you received? Le baptême de sang, répondit-il. Paul dit alors, Paul said, Jean baptized d'un baptême de repentance, to baptism of repentance, en disant au peuple de croire to the people to believe, en celui qui viendrait après lui, to the one coming after him, c'est-à-dire it en means Jésus. In Jesus. À ces mots, at this word, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. They were baptized in the name of the Lord. Et quand Jesus. Paul eut imposé les mains, when Paul imposed l'Esprit Saint vint sur eux, the Holy Spirit came to et ils se mirent à parler en d'autres langues and they started to speak et à prophétiser. Other tongues and prophesy. Ces hommes étaient au nombre de 12. These men were 12. Parole du Seigneur notre Dieu. Word of the Lord our God. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici au cœur des voyages pastoraux de Paul. We are following Paul. Et là, il est à Éphèse. And he is in Ephesus. C'est donc certainement avec joie. It's with joy. Au moment où il arrive dans ce pays, moment, dans cette région pour la première fois, that region for the first de rencontrer des disciples de Jésus. Disciples of Jesus. Des personnes qui croyaient en lui. People who believed in him. Des personnes qui s'étaient engagées à sa suite. People were engaged after et qui essayaient certainement de conformer leur vie and à celle were de trying Jésus. To be like Jesus. Mais contre toute attente, but without expectation, Paul, l'apôtre Paul va leur poser une the question. Apostle Paul is going to ask, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Have you received the Holy Spirit? Avez-vous reçu l'Esprit Saint have lorsque vous êtes devenus croyants? The Holy Spirit when you became believers? Alors une question vient dans nos cœurs. So the question comes into our pourquoi hearts. Paul pose-t-il une telle question? Why is Paul asking that question? Je me suis donné quelques réponses I gave myself some que j'aimerais partager avec vous ce and I would soir. Like to share them with you. La première chose que j'ai pu remarquer, the first thing I've noticed, c'est que si Paul a posé une telle question, if Paul asked, c'est parce qu'il est possible it, because it's possible, de n'avoir pas reçu le Saint-Esprit après avoir cru. Not to have received the Holy Spirit after en d'autres termes, in other terms, on peut croire sans recevoir le Saint-Esprit. We can believe without receiving the Holy Spirit. La seconde réponse que je me suis trouvée, the second answer, c'est il faut avoir, après avoir cru, after believing, il faut recevoir le Saint-Esprit. We must receive the Holy Spirit. C'est une exigence. It is expected. C'est une urgence. Il y a certains indices. There are some indices. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, when we receive the Holy Spirit, qui manifeste. Which are manifested, la réalité de ce don. The legality of that gift. Alors, so, j'ai compris qu'en serviteur avisé, I have understood as a servant, Paul a observé ces personnes qui venaient Paul de rencontrer. Paul observed these people who were coming. En père, il a remarqué qu'il y avait une pièce manquante. He noticed that something was missing. L'apôtre Paul, the apostle Paul, au contact de ses nouveaux disciples, when we went to the disciples, a réalisé que quelque chose ne marchait pas. He saw that something was wrong. Il sentait en effet des relents. He felt something d'une vie ancienne. Like the old life. Des relents de l'homme charnel. He felt something for the old man. Parce que Galates chapitre 5 le verset because in Galates chapter 19 5, à 22, verse 19 to 20, exprime clairement les œuvres de la chair. It explains the work of the flesh. Il dit ce sont l'impudicité. They say that l'impureté, impurity, la dissolution, dissolution, l'idolatrie, idolatry, la magie, magics, les inimitiés, les querelles, quarrels, les jalousies, and jealousies, les animosités, animosities, les disputes, disputes, les divisions, divisions, les sectes,
l'envie, envy, l'ivrognerie, les excès de table, excess, les choses semblables. And the things that are alike. Paul a vu là. Paul saw there. Des chrétiens qui avaient certes donné leur vie à Jésus. Christians who gave their life to Jesus. Mais qui étaient encore bien aimés transis par la but peur. Who were still having the fear in them. Parce que ce territoire d'Éphèse. Because that territory. Était dominé par une déesse. Was dominated by God. Et tout ce peuple là. And that these people, s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, they had received the Holy Spirit, auraient certainement compris, they must have understood, que l'atmosphère spirituelle, that the spiritual atmosphere, n'était pas bonne, wasn't good. Ils allaient comprendre, they would have understood, qu'il y avait une urgence qui s'imposait à there eux. Was an urgency, c'est d'allumer le feu de Dieu dans cette région. To lift up the fire, c'est de faire quelque chose de particulier. To do something special. Mais nous rencontrons des chrétiens qui, comme les premiers chrétiens, like the first ones, au lendemain du jour où Marie-Madeleine est allée leur annoncer after Mary Magdalene went to announce la résurrection de Jésus, the resurrection of Jesus, qui étaient encore enfermés, were still enclosed, bien qu'ils aient appris and que Jésus était ressuscité. Jesus was alive. Et en Jean 14, 29, in John 14, verse 29, Jésus leur avait pourtant dit, Jesus told them, il leur avait donné ses recommandations. He gave recommendations, et il leur avait dit une chose, and he said, pour terminer tout ce qu'il leur disait. To finish, il dit, et maintenant, he said, now, je vous ai dit ces choses I have told you this avant qu'elles n'arrivent, before they happen, afin que lorsqu'elles arriveront, so that when they happen, vous croyez. You believe. Mais bien qu'il ait entendu annoncer but ces choses, he had announced that, ils étaient encore apeurés. They were still fearing. Ils étaient encore enfermés. They were still enclosed. Et le verset 19 dit, and the verse le soir de ce jour, at the night ils étaient, of that day, qui était le premier de la semaine, which was the first les portes of the night, du milieu où ils se trouvaient, les disciples, the étaient fermées of the place where they were, à cause de la crainte because qu'ils avaient fear des Juifs. Jésus vint, Jesus came, se présenta à eux to present himself et leur dit, them, and he said, la paix soit avec vous. Peace be with you. Je veux m'adresser à quelqu'un ici ce I'd soir. Like to speak to someone here. À quelqu'un qui est chrétien. Someone who's à quelqu'une qui est chrétienne. Someone who's qui, devant les circonstances de la vie, whom devant les problèmes auxquels il peut être confronté, a aujourd'hui son cœur troublé, a aujourd'hui son troubled, âme troublée. Je veux dire troubled à cette personne que Jésus person a annoncé des temps comme celui-ci. Mais il a dit quand ces choses arriveraient, il nous a demandé de garder la paix. C'est pourquoi je prie que la paix soit avec. That's why I prefer là où tu te trouves, where you are, dans ta maison où tu te trouves, in your home, dans ton salon où tu te trouves, in your living que room, la paix de Dieu vienne jusqu'à toi. May the peace of God come to you. Combien de chrétiens, how many Christians, combien de chrétiennes, how many Christians, de bonne foi, of good faith, vivent un christianisme de punition. Are going through a Christianity of punishment. Éphèse était une ville où régnait une atmosphère spirituelle where difficile. There was a difficult atmosphere. Et Paul constatait que la ville n'était pas embrasée. Paul was noticing that le feu de Dieu n'y était pas he was animé. Noticing that the fire wasn't there. Parce que le feu de Dieu est un feu dévorant. Because the fire of the et c'est pourquoi Jérémie pouvait dire, that's what Jeremiah en Jérémie chapitre 20, in Jeremiah le verset 20, 9, verse 9, il dit, si je dis, if I say, je ne ferai plus mention de lui, I'll not mention je ne parlerai plus en son nom. I'll not mention il y a dans mon cœur comme un feu dévorant there is in my heart qui est fire enfermé dans mes seaux. Devouring fire je m'efforce de le contenir. And I try to il dit, mais je ne le puis. Parce que lorsque le feu de Dieu vient, when the fire of God lorsque comes, le feu de Dieu est présent, when the fire of God bien aimé, on ne peut pas s'asseoir. We cannot bien aimé, on ne peut pas se contenir. We cannot quand même on est malade, on se lève. Even when bien aimé, sick, quand on est fatigué, on s'en va. Even when parce qu'on sait une chose, il y a un feu qui nous dévore. Il y a quelque fire chose qui nous embrasse. Something, ces disciples d'Éphèse, the disciples of Éphèse ne dérangeaient pas le système. Were not making the system ils ne touchaient moving pas l'atmosphère spirituelle. They were not touching the ils n'étaient pas une menace pour l'adoration satanique. They were not a threat de la déesse Diane. For the goddess Diana. Ils étaient rangés. They were good. Ils étaient dans le contexte. They were in the context. Ils suivaient le monde. They were going with mais the combien world de chrétiens aujourd'hui but how many Christians sont rangés are combien calm de chrétiens aujourd'hui how many Christians sont dans les rangs et suivent le monde. Je bénis Dieu pour la vie de la servante de Dieu, the servant of God, la sœur Judith, the sister Judith, qui disait la dernière fois, who was saying, elle appelle un feu sur la terre, she calls a un, fire, peu, un feu nouveau, bien aimé, afin qu'il vienne nous déranger dans notre confort, afin qu'il vienne nous déranger dans nos habitudes, afin qu'il vienne nous, bien aimé, nous bousculer, parce que le christianisme n'est pas une religion de repos, bien aimé, c'est une religion de combat, c'est une religion dans laquelle, bien aimé, on se lève. Bien aimé, car Christ n'a pas de repos. Jusqu'à aujourd'hui, il continue de travailler. Today,
Keep working. Parce qu'il a dit, because he said, je m'en vais. I'm leaving, mais dit, je serai toujours avec vous. But I'll be always with je veux que tu comprennes une chose. I want you to understand something. Quand on est chrétien rangé, when we are Christian, calm, quiet, on a certes invité Jésus. We have accepted Jesus. Et bien aimé, on dirige nous-mêmes nos vies. But we guide our lives ourselves. On fait nous-mêmes notre propre volonté, non celle de Dieu. We making our own will. Nous vivons une vie chrétienne par nos efforts. We live a Christian life through our efforts. Nous n'avons pas totalement confiance en Dieu. We don't trust him de temps totally. En temps, on glisse pour aller chercher sometimes une protection ailleurs. We go and find a protection elsewhere. Nous avons des pensées de péché. We have thoughts. La prière nous ennuie. The prayer is boring for us. Nous ne prenons pas plaisir à la communion fraternelle. We don't take any pleasure ni à la prière. To the fraternal communion. Les œuvres de la chair, bien aimé, nous emballent. The work on aime bien aller dans les modalités. Us. Mais quand on vient dans la prière, on trouve que la prière a trop duré. We think that the prayer la messe a trop duré. The mass mais ça, ça long. Nous fatigue. We are tired. Oh, aujourd'hui, là, le prêtre today, a été trop long dans son homélie. The priest was way too much. On est fatigué. We are tired. Mais quand on est véritable enfant de Dieu, quand le feu de Dieu nous a brûlé, nous chantons le cantique et nous disons, une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. On n'est pas fatigué. We are not tired. Vendredi soir, on fait veiller jusqu'au Friday matin. Night, we stay up samedi, on est au day. Travail. Saturday, we are at le work. Samedi soir, Saturday night, on est à la prière. We are at the on prayer. Fait veiller encore jusqu'au dimanche. And we stay up until on s'en va Sunday, dormir. And et ce vendredi après-midi, samedi, dimanche Sunday, après-midi, on se retrouve encore à la prière. We go back to the parce qu'il y a quelque chose qui bouge en nous. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Il y a quelque chose qui nous empêche, bien aimé, de nous asseoir. Bien aimé. Beloved. Bien aimé. Brethren, quand nous sommes à ce niveau, when we reach that level, nous avons besoin we need de réaliser to realize que nous sommes un chrétien spirituellement malade that we are Christian spiritually et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. And we need to be filled. Alors, par sa question, so through that question, l'apôtre Paul nous enseigne the Apostle Paul teaches que l'expression us recevoir le Saint-Esprit that the expression to receive the Holy Spirit, c'est faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. It's about making the experience et si l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit that experience vient après l'expérience de la conversion, comes after the experience of the conversion, mais elle est distincte de la conversion. But it is different. L'effusion du Saint-Esprit. The effusion. Et donc pour ceux qui sont convertis. For those who are converted. Parce que dans la chambre haute. Because the high room. Tous ceux qui attendaient l'effusion de l'Esprit. Those who were expecting for the anointing. Étaient des disciples dont les noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie. Which name was already written. Et c'est ce que nous lisons en Actes chapitre 8, le verset 12. Acts 8, verse 12. Qui déclare ceci. That declares. Quand ils eurent cru à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. When they believed in the good word of the word, heaven of God. Et du nom de Jésus-Christ. And the name of Jesus Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Men and women were baptized. Le verset 14 à 16 ajoute. The verse 14 to 15. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. The apostles were in Jerusalem. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. That Samaria had the word of God, received the word of God. Ils envoyèrent Pierre et Jean. They sent Peter and John. Ceux-ci prièrent pour eux. They prayed for afin them. Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. So that they received the Holy Spirit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Because they didn't come on the, in bien any of them. Bien aimé. En lisant ce passage, nous réalisons une chose. When you read that passage, you realize l'effusion de l'Esprit, that the l'expérience du baptême du Saint-Esprit, the experience of baptism semble of the Holy Spirit être une expérience qui est visible. Is something visible. Remarquable. Remarkable. Et les disciples d'Éphèse ont eu, bien aimé, une réponse vraie. Had a true answer. Ils ont dit à Paul, nous they n'avons même Peter, pas entendu dire we didn't even qu'il y hear un Saint-Esprit. About the Holy Spirit. Si c'était à nous, ils auraient dit, oh, if it was here. Comment c'est possible? Would I say how? C'était un aveu de méconnaissance. They were saying the truth. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire but today we que nous n'avons pas entendu parler du Saint-Esprit. That we never heard about. Alors la question pour nous, so the question internautes, us, pour vous qui me suivez, for depuis us, les différents réseaux sociaux, for the people following, la question est, the question connais-tu is, la valeur do you know the value du Saint-Esprit? Of the Holy Spirit. Connais-tu pour ta vie do you know la valeur de cet hôte divin? The value. Comprends-tu le privilège do de la voix? Understand the privilege? Apprécies-tu à sa juste do valeur you appreciate ce que tu rates en l'ignorant? What you are missing by ignoring? Ces disciples d'Éphèse the disciples of Ephesians ne pouvaient pas savoir
they couldn't parce que lorsque know. Paul les interroge because sur leur baptême, Paul asked them of the baptism, nous apprenons, bien-aimés, we learn qu'ils avaient reçu le baptême de Jean, that they received the baptism le baptême of John, de repentance. The baptism of repentance. C'est-à-dire qu'ils opéraient it means they were sous un ancien registre. Under the parce que Jean-Baptiste because John the Baptist, avait à la vue de Jésus when they, when dit en Jesus, Jean chapitre 3 verset 30, John 3, verse 30 il faut que je diminue I need to diminish, et qu'il croisse and for him to grow in me. Bien aimé. C'est pourquoi l'apôtre Paul va expliquer aux disciples d'Éphèse que le régime sous lequel ils opéraient that the way était un régime caduque. It was, la porte était fermée. The door was closed. Et le verset 4 ajoute, and the verse alors Paul, so Paul dit, says, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir, c'est-à-dire en Jésus. It means in Jesus. On comprend alors, bien aimé, we understand qu'il y a une différence, that there is a difference entre le baptême de Jean, between the baptism of John et le baptême de Jésus. And the baptism of et saint Thomas d'Aquin disait, said, il dit le baptême de Jean, the baptism il dit of par John, le baptême de Jean, the baptism, seul le corps était purifié. Par only l'eau. The body was purified. Mais le baptême chrétien, but the Christian baptism, radicalement différent du baptême de Jean. Radically different from the baptism of John. Pourquoi? Why? Parce que le baptême de la nouvelle loi. Because the baptism of the new law. Sous le baptême de la nouvelle loi. Under the baptism. Les hommes of the sont new baptisés. Men are baptized. Intérieurement. Innerly. Par le Saint Esprit. Through the Holy Spirit. Alléluia. Alléluia. Alors le caractère principal de Jésus, so the principal character of ce qui le différencie des autres, is what makes him different, c'est que Jésus others, lui baptise du Saint-Esprit. He baptized of the Holy Spirit. Alors Jésus so Jesus a inauguré has inaugurated une nouvelle forme de baptême a new way of pour vous et pour moi. For you and I. Un baptême a baptism par lequel lui-même il est passé en premier. Through which he went first. Parce qu'il est écrit because it is written, en Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Verse 7 to 17. Une fois baptisé, once baptized, Jésus sortit aussitôt Jesus de l'eau. Came out of the water, voici que le ciel s'ouvrit pour lui. And the heaven was open for et him. Il vit l'Esprit de Dieu and he saw qui descendait comme une colombe that came like et venait sur lui. On him. Alors, so, une voix qui venait des cieux disait, so a voice said, celui-ci est mon fils bien-aimé, this one is my beloved qui a toute son. Ma faveur. He has my trust. On comprend bien-aimé que notre baptême doit comporter deux aspects. Has to have two aspects. Celui de l'eau the one of the water, et celui de l'esprit. And the one of the sinon, nous sommes des chrétiens handicapés. If we are handicapped Christians, nous claudiquons. Oui, parce qu'à Nicodème, il a dit clairement, Nicodème, en Jean chapitre 3, verset 5, John 3, il dit, en vérité, je te le dis, truthfully, I'm si un homme ne naît d'eau et d'esprit, if a man is not born of il dit, ne naît d'eau et d'esprit, of water il n'a pas dit d'eau simplement, il dit d'eau et d'esprit, water, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. He cannot enter the kingdom je dis bien, il ne peut entrer I dans le royaume he de Dieu. Cannot enter the kingdom of God. Il a dit, il faut que l'homme naisse de nouveau the man must be pour pouvoir born voir again, le royaume. To be able to see mais pour entrer dans le royaume, il est obligé de naître d'eau et d'esprit. You need to be parce que ceux qui ont accepté Jésus, ces disciples d'Éphèse, ils avaient vu le royaume, mais ils ne pouvaient y entrer. Mais là, Paul leur disait, il fallait qu'ils naissent de l'esprit et de l'eau pour qu'ils puissent entrer maintenant dans le royaume et entrer. And to c'est enter, expérimenter ce royaume is to experience expérimenter la puissance de ce to royaume expérimenter la kingdom, gloire de ce to royaume expérimenter la force kingdom, de ce royaume parce qu'il est écrit bien aimé en 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 20 4, il dit car le royaume de Dieu le royaume de Dieu il ne consiste pas en paroles it's not about words, il ne consiste pas en paroles it's not about words, mais but, en puissance in power, mais but, en puissance. In might. Alors, so, les disciples d'Éphèse, tout tremblant, shaking, réalisent bien aimé qu'ils doivent rapidement that they must se faire baptiser. Be baptized. Alors, on nous dit au verset 5, so à ces mots, 7, ils se firent baptiser au nom du Seigneur they Jésus. Were baptized in the name of the Lord Jesus, entrant ainsi entering dans le corps du Christ. In the body of je dis parce que par ce baptême, ils sont entrés dans le corps du Christ, dans l'église, in the church, dans le royaume de la puissance. In the kingdom of the power, et cette église, and that church, représentée en l'apôtre was representing Paul, in the apostle va poser une action. Going to make an action, car il est dit,
Because it is au verset said, 6. At the verse 7. Et quand Paul leur eut imposé les mains, when Paul imposed his hands, l'Esprit Saint vint sur eux. The Holy Spirit came to them. Et il se mit à parler en d'autres langues. To speak in other tongues et à prophétiser. And prophesize. Wow.